Good morning, allez, il y a une astuce aujourd'hui, le lundi chez Matricha, une bonne fortune, mazal, ainsi que le fait de Ranala, Bad Gitel, Devora, Sarbat, Nechama et Efat, Basra, Betor, Shachol, Israël, si vous souhaitez, vous aussi, il y a une prochaine étude du Mishnah, contacté de 5 minutes éternelles, nous étudions Masrach Kalim, Paridalet, Mishnah, Aleph. Hatrouma, Mahayu, Osinba. Lokrinba, Tmidin, Umsafin, Veniskehen. Haomer, Ushta, Lechem, Velechem, Afanim. Vechol, Korbanot, Tzibur. Shomre, Sfichim, Bashvi, It, Notin, Sharan, Midromat, Alishka. Rabbi Yossi Omer, Af Arose Mitnadev, Shomer Chinam, Amroulo, Afata Omer, Shenan Beinelam, Shel Tzibur. On commence dans ce chapitre à parler de la gestion des caisses du Beth Amikdash. On va découvrir qu'est-ce qu'on fait avec tout l'argent qui a été récolté. Tous les ans, tout le peuple d'Israël devait payer sa cotisation annuelle, le Mahatzit HaShekel, qui était variable selon les besoins, on pouvait fixer plus, comme on avait appris. Et on réunissait tout à Yerushalayim dans une lishka, il y avait une cabine où là-bas on ramassait tout l'argent. On avait appris donc qu'on faisait la tourmat à lishka, comme on avait appris dans la lishka précédente, donc on ramasse avec un seau une quantité d'argent, on va l'en faire à 3 reprises durant l'année. Ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le shirei à lishka, d'accord? On apprendra toutes sortes, on va différencier l'argent qui va rester dans les seaux, l'argent qui reste ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec chaque chose? D'accord? Pour le moment, on va commencer d'abord avec la tourma talishka, avec ce qu'on a ramassé dans le seau. Qu'est-ce qu'on achète précisément? A tourma, ce qu'on a prélevé, lorsqu'on a donc récolté, on a ramassé maintenant avec le seau. Mayo sinba, qu'est-ce qu'on a acheté avec ce qui était dedans? Lokrin bat midinu musafin, veniskehem. On achète avec cet argent les tmidin, les korban tamid, qu'on apporte tous les jours, un le matin, un l'après-midi. Moussafin, les korbanot supplémentaires, les suppléments qu'on apporte durant les fêtes. Il y a korban moussaf. Veniskehem, en plus de ça, les oblations de vin et de semoule. Pour chaque korban, il y avait veniskehem, chatsiaïn. Et il y avait comme ça des minchat solet, il y avait toutes sortes de minchat qui étaient publiques pour le moment. De même aussi, Ha-Omer, avec lui aussi, on partait acheter le Omer. Le Omer, c'est-à-dire le Omer, c'est le Corban à Omer, l'orge qu'il fallait prendre le soir après le premier Yom Tov de Pessah. Il fallait partir, tout ce qu'on lit, le Seder, qu'on lit, Magalze, 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 Hector, 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 tout ce qui est raconté dans le Nahot, et Shte Alechem, et aussi les Shte Alechem, c'est le deux pains de Shavuot, qui était la grande avoda de Shavuot, mais aussi le Lechem Apanim, et le pain qu'on apportait toutes les semaines au Beth Amikdash, les 12 pains qui étaient posés là-bas sur le Shulchan, d'une semaine à l'autre, on les changeait, il y avait tout le rituel du pain. Tout ça, le dénominateur commun de tous, c'est que ce sont des korbanot tzibur, ça incombe au public de les apporter. Korban public, caisse publique de la trouma directement ce que tu as prélevé, d'accord? Vechol korbanot tzibur, et on inclut dedans tous les korbanot tzibur que l'on pourrait trouver. Notamment le Yerushalmi précise, l'Agmar aussi, pour apporter la ktoret, tous les jours on paye avec ça. Et aussi les big de kiwuna même. D'accord, il rapporte quelques-uns. Les vêtements des Kohanim aussi étaient financés par ça, puisque, retenez bien, tout ce qui est nécessaire pour apporter un korban public, c'est sur les frais de la caisse des korbanotes, c'est-à-dire ce qu'on a prélevé de la tourma talishka. D'accord? Après, on va prendre dans les prochaines missions ce qui sont avec le reste de l'argent. Shomrei Sfichim, maintenant on va parler d'un cas particulier. Shomrei Sfichim Bashvi'it. Durant la 7e année, on n'a pas le droit de semer, et pas de récolter non plus en grosse quantité. Et donc du coup, on est confronté maintenant, vous savez bien que les arbres, si on ne les travaille pas, ils font quand même sortir des fruits. Par contre, toutes les autres récoltes, en général, le blé en l'occurrence, si tu n'as pas à semer, tu ne récolteras pas. D'accord? Du coup, en juillet, on n'a pas le droit de semer, donc qu'est-ce qu'on récolte? Rien. Il y a malgré tout, il faut savoir que lorsqu'on cueille, il y a quand même quelques petites graines qui tombent par-ci, par-là, et qui font pousser de par soi-même. C'est ce qu'on appelle des sfichim, des choses qui poussent tout seul. C'est de ça que l'on prévoit pendant l'année de Shvit, pendant la 6e année, que l'on va apporter le korban du Homer et de là, du Homer et des Shtalechem, les deux pains
de Shavuot. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas les apporter de Chutz La'aretz? C'est une machloket. La Mishnah va selon la vie, comment est-ce qu'on ne peut pas les apporter? On ne peut pas apporter la farine de Chutz La'aretz. Du coup, tu dois apporter nécessairement d'Israël, avec interdiction d'en planter, donc comment tu fais? Eh bien, on attend le, je ne sais pas quelle période de l'année où ça commence à pousser, on envoie des shlichim un peu partout, jusqu'à qu'on va remarquer que, dans un endroit, ça pousse naturellement quelques petites graines qui sont mises à pousser. Et quoi? Eh bien, on mettait là-bas des shomrim, des gardiens, qui se chargeaient de... alors là, c'est compliqué, parce que quand on mange vite, on n'a pas le droit d'interdire aux gens de manger. On a le droit de chasser les animaux qui viennent manger. Lorsque les gens y viennent, on leur dit, vous savez, on est les émissaires du Beth Amikdash, on est là pour protéger, pour qu'on puisse avoir le Corban cette année. Donc on leur demandait, les gens se retiraient. D'accord? Mais il fallait donc des shomrim, des gens qui vont aller les garder. Ils vont aller des gardiens des sfichim durant la Shvit, pour pouvoir apporter le Homer et le Shita Alechem. Alors, ces gens-là maintenant, ces gardiens-là, la Mishnah m'enseigne, Notlin Sharan Mitroumat Alishka, ils pourront aussi prendre leur salaire de la tourmat alishka, de ce qu'on a prélevé du sourd. Étant donné que là, on a élargi un petit peu le cercle. Jusqu'à maintenant, on était très concentré sur le korban proprement dit, l'offrande proprement dite. Là, on va prendre même ce qui est nécessaire au korban. S'il y a des frais occasionnés pour pouvoir organiser le korban, c'est encore des frais qui viennent sur le compte de la caisse du korban, donc de la tourmat alishka. C'est ce que la Mishnah avait vu m'enseigner. D'accord? Il y a maintenant, on va découvrir une petite marloquette, c'est un petit peu annexe, même si ça touche à une notion qu'on a déjà évoquée. Et la Mishnah me dit, Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, Afar aussi mitnadev shomer chinam. Tu sais, on n'est pas obligé de payer les gardiens des sfichim pour pouvoir apporter le Omer Shtalechem. On peut aussi trouver deux bons juifs sympathiques qui veulent faire ça gratuitement pour l'honneur de la mitzvah. Même s'il veut, il peut aussi être mitnadev shomer chinam. Il peut se proposer, se dévouer pour être Shomer Chinam, pour être un gardien gratuit, on n'est pas obligé de le payer si c'est nécessaire. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi. En fait, Rabbi Yossi vient me dire, tu sais, bon, t'as raison, si nécessaire, tu payes les gardiens avec la caisse de la tourmat alishka, mais t'es pas obligé de les payer. Tu peux aussi leur demander de le faire gratuitement, si tu trouves des gens qui ne sont pas à le faire gratuitement. Amroulo, sur ça, Chachamim ont rétorqué, on dit, non, pas question. Af ata Omer, mais je comprends pas. Toi aussi, tu es d'accord avec nous, Shenan Bain et la Michel Tzibour, que les korbanot de tous ces corbanotes-là, et en l'occurrence les Omer et Shita Alechem, ils ne viennent que de la caisse publique. C'est un dialogue un peu flou. Le principe, il est relativement simple. Selon une chose de sûre, notion qu'on a déjà évoquée, déjà 10 fois depuis le début de ma Masechet Torah, qu'un corban public doit venir d'une caisse publique. Si jamais moi, j'ai envie d'être le grand nadiv, le grand philanthrope qui va faire plaisir, que je vais payer 3 semaines de korbanot public à mon nom, personne ne s'acquitte de la mitzvah. Le korban, tout le korban public, il doit venir de la caisse publique. Si moi j'en fais un don pour le public, ça reste quand même pour moi, sauf si je le donne très bien. Je le donne pleinement, que c'est plus du tout mon bien. Notion qu'on a déjà évoquée plusieurs fois. Là, c'est sur ça que ça refait surface, avec des petites nuances et des petites problématiques par rapport à ce qu'il y a avant. Mais d'abord, j'explique les deux avis. Rabbi aussi pense que tu sais, il n'y a aucun problème à ce que quelqu'un se dévoue pour garder les sfichim gratuitement pour apporter le Homer et le Shita Alechem. Parce que même si concrètement Rabbi aussi pense que Habata Be'efker Kania, c'est une grande marloquette dans la Gemara, la conclusion de la Gemara, elle est que d'Afka on n'est pas connu, mais le Barton explique que ça fonctionne selon cet avis. Habata Be'efker Kania, lorsque tu vois quelque chose de Efker et tu l'as vu avec intention de l'acquérir, tu l'as déjà acquis, c'est pas la peine d'aller le soulever, c'est une marloquette. Concrètement, d'abord une petite parenthèse, lorsqu'on trouve un billet de 200 shekels dans la rue, il ne sera moi que si je vais, je le soulève. Si je vais à côté, je pourrais peut-être l'acquérir par les Kinan Arba Amot, c'est encore un autre problème. En tout cas, le simple fait de voir ne me fait pas acquérir les objets. C'est une discussion, Rabbi aussi pense que ça marche. Lorsque tu l'as vu, le premier qui l'a vu, il l'a laissé à lui. Abata Be'efker Kania. Selon ce principe, lorsque le gardien il va garder les Sfichim, ils étaient du Hefker, puisqu'on est dans les Jumis. Depuis qu'il les garde, ça va lui appartenir. C'est vrai? Ça va l'appartenir, mais lorsqu'il va vouloir en faire un don au Beth Amikdash pour l'honneur du Am Israël, pour le public, il va le donner, il va être entier dans son don qu'il fait. Du coup, il peut même garder gratuitement. Sur ça, Chachamim lui rétorque, non, c'est une catastrophe. Tu vas lui permettre de faire une chose pareille? Les Sfichim vont lui appartenir, il va les donner, et puis il va pas pouvoir s'entretenir de vouloir en rester le possesseur, et ne pas le donner franchement, ne pas le donner pleinement.
il va pas être entier dans son don qu'il va faire. Du coup, il va rester lui-même propriétaire individuel. Or, c'est un corban public qui doit être sur le frais de la caisse publique, qui doit appartenir au public, qui ne doit pas être un corban d'un philanthrope qui a voulu en faire cadeau pour tout le peuple d'Israël, mais qu'il en reste lui-même le possesseur qui va faire le corban au nom de tout le peuple d'Israël. Il doit le donner, or, il va pas être entier dans son nom, il va pas être Shalem. Du coup, on craint qu'il ne va pas le donner comme il faut. C'est pour ça qu'on impose que si tu veux garder, fais-nous plaisir. Prendre l'argent. Prendre l'argent comme ça. Lorsque tu vas prendre l'argent, tu vas être un gardien qui va être payé. Le gardien n'a plus à acquérir pour lui. Celui qui va en bénéficier, ça va être celui qui l'a envoyé, celui qui lui paye pour payer. Si je prends un gardien, bon, on a ramassé de l'argent dans la rue. Je lui dis, je prends un poêle, un employé. Je lui dis, tiens, tu vas, tu te promènes dans la rue. Tout ce que tu retrouves dans la rue, tu ramasses, tu l'acquiers. Donc maintenant, puisqu'il est devenu mon employé pour acquérir des choses, parce qu'il acquiert des choses, même s'il acquiert avec intention d'en acquérir pour lui, c'est moi qui devient le propriétaire. Parce qu'il est payé pour ça, et Yad Poel, qui est Yad Rabo, la main du Poel, c'est comme ma main. Donc du coup, je reviens maintenant sur la Mishnah. Le chômeur, lorsque je vais le payer pour garder, c'est moi, c'est-à-dire lorsque je vais le payer, lorsque moi, le trésorier du Beit HaMikdash, je vais le payer pour garder au nom du peuple d'Israël, il s'avère que maintenant il est devenu l'employé du peuple d'Israël, même s'il a l'intention d'acquérir, il va acquérir pour tout le peuple d'Israël. Donc dans ce cas-là, ça vient aux frais de la caisse publique. Et donc tu es obligé de le payer, d'accord? Et Rabbi aussi, comme on a dit, il pense qu'il peut même décider de le faire gratuitement, et après il va en faire un don, il va être entier. Ah, dernière petite précision. C'est une grande discussion qu'on brasse, déjà depuis quelques Mishnayot, qu'on a déjà touché au problème. Est-ce que lorsque je décide de faire un cadeau au peuple d'Israël, est-ce que je suis entier ou pas? Il y a plusieurs cas de figure, il y a quelques contradictions. Spécifiquement, en haut, on avait appris qu'un Chachamim même pensait que si tu décides de prendre un Machatzit HaShekel de quelqu'un qui n'est pas imposé, par exemple, qui va le donner au public, il le donne entièrement. Il ne le donne pas avec l'intention de rester propriétaire. Pourquoi là, spécifiquement dans notre Mishnah, par rapport au blé du Shteh Alechem ou de l'orge du Homer, d'un coup, on est confronté à une personne qui ne veut plus donner comme il se doit. Peut-être qu'il ne va pas bien le donner, il va rester un petit peu propriétaire dessus, et ça va nous poser problème, une certaine contradiction. Et le Yanon Tosot Yom Tov qui parle de ça, qui explique concrètement, la conclusion, elle est que un korban qui est assez rare une fois dans l'année, alors on a plus de yitzhara d'en rester propriétaire pour se dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai payé, j'ai rincé pour tout le monde, comme on dit... » D'accord? Donc du coup, il y a un plus grand yitzhara, donc on ne lui permet pas de le faire gratuitement, c'est pour ça qu'on préfère le payer. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.